Salutations voyageurs et voyageuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de No Man's Sky, expédition 4, émergence. Bon, dans la dernière vidéo, j'ai pris un téléporteur vers une base où il promettait 6000 nanites, donc explorons cette base ensemble. Ah non, elle est là. Elle est là, là-bas. Boum. Je ne peux pas modifier le terrain, donc si... Ah, dépôt de pied, au moins. Dépôt étrange. Non, c'est pas mal ça. Ils sont à l'intérieur. Je peux pas. Je peux pas être pénétré. À cause du. Et. C'est bien passé. Cuivre. Non, si j'ai pas de cuivre prêt. De l'ammoniaque. Pots de cuivre. On va aller bas. Chercher des routes souterraines. Là, pour avoir un petit coin tranquille pour pouvoir faire mon raffineur. On va le faire ici. Donc ça prend mon cuivre. Et je vais le transformer en métal chromatique. Je m'en ferai pas suffisamment, mais... Au moins, on va en avoir un petit peu. On apprend. Ah. Salaire. Faire une antimatière.
me prend 25. Avant de commencer. Donc, on va y aller. Tranquille ici. Ça va, c'est d'hydrogène. On a assez. Et c'est fait. Bon, ça va améliorer un peu mais ma condition d'hydrogène. Bon. J'installe mon moteur hyperspatial. Ça va bien. Ok. On vit de cobalt. On regarde ici. On regarde derrière. Oh, une tempête. Ok.
Vers le cap mineur. Miroir solaire. Oh, justement ce que j'ai besoin. Trois miroirs solaires. Voilà. De métal chromatique. C'est ça. C'est la ressource de bouclier, c'est bon. Oh, un alien. Ah. Je peux l'échanger? 2200. Je serais pauvre pas mal. Mais il fait plus de dégâts. C'est tout ce que j'ai dû dépenser pour voir. Ok, je vais marquer le feu. La couleur, j'ai rouillé et ça va être orange. Outil alien. Ça prend le microprocesseur, ça va prendre l'hyperpulsion. Ok, quoi?
3 câbleurs. Métal chromatique. Ferrite magnétisée. Et du métal chromatique. Du métal chromatique. Il faut que je me fasse un anti-matière aussi. Ça me prend beaucoup de métal chromatique. Bon, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bon jeu et surtout, portez-vous bien.